Bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kinou, il s'agit de l'épisode numéro 3 de Full of Light. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé la dernière fois, nous n'avons pas réussi à ramener Aether à la source de lumière à temps. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir ici, il y a une petite tête de mort sur la sauvegarde. Ça veut dire que la sauvegarde est foirée et qu'on n'a aucune chance d'avoir la bonne fin ou la fin moyenne. On aura forcément la mauvaise fin. Peu importe ce qu'on fait, même si tout le reste est réussi à 100%, on n'aura jamais la bonne fin. Voilà. Et je ne vais pas recommencer 4h32 de jeu. Juste pour ça, c'est hors de question. Le jeu est pas assez bien pour ça, à mon avis. Enfin, il me plaît pas assez, en tout cas. Donc voilà, vous êtes prévenus. Bouh ! Bouh, le jeu ! Bouh, moi aussi, peut-être. Bon. La dernière fois, en tout cas, on a réussi à récupérer le fragment d'eau. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En butant le boss de l'eau, c'était cool. Et c'est justement après qu'on doit ramener vite à Aether, notre fille, donc. Sous son rayon de lumière pour la sauver, en fait. Le problème, c'est que bah, le jeu prévient pas qu'il va falloir le faire. Donc si on connaît pas le chemin à l'avance, ben... Puis c'est timé vraiment au poil de cul, hein. Donc je trouve ça un peu fort. C'est vraiment... Il y a peut-être des gens qui arrivent du premier coup parce qu'ils ont... Soit ils ont la mémoire. Parce qu'en plus, on voit pas grand-chose dans le jeu. Donc pour se repérer, c'est chaud, il n'y a pas de carte. Donc soit c'est des gens qui ont une bonne mémoire, qui se rappellent de d'où il fallait aller, quoi. Mais très honnêtement, je pense que la plupart des gens doivent se foirer la première fois et recommencer, quoi. Maintenant, je le sais, limite, si je veux le faire. De toute façon, je vais pas me faire chier, non. Je vais pas me faire chier, c'est foutu. Mais s'il faut le faire, il faut repérer où est l'endroit avec la lumière et puis faire le chemin plusieurs fois pour être sûr, quoi. Et bon. Bref, je vais arrêter de râler. C'est fait, de toute façon, j'ai déjà râlé dans le poste du Drody la dernière fois, donc voilà. Alors, j'essaie de me rappeler un petit peu des touches. Ça, c'est pour... Oh, non, ça, c'était pour prendre une popo. Ça, c'est pour la forme d'ombre à la con, que je sais pas à quoi ça sert. Comment je fais pour changer d'arme? C'est bizarre. Comment je fais pour changer d'arme, le jeu? Ah, ok, d'accord. Je semblais avoir essayé. Ok. Récupérer nos popos, tout ça. Lumière, bougie, t'es cool. Lol, Keiji. Alors, Keiji, je sais pas si t'étais là la dernière fois, si tu connais le jeu. Mais en gros, c'est Dark Souls rencontre Diablo rencontre Ico. C'est un die and retry. Ça, c'est l'équivalent des bonfires. Et quand tu les prends, bah, ça ressuscite les monstres, ça te rend toutes tes popos, etc. Tu vois, en haut, il y a des espèces de chevrons. C'est mes barres de vie, enfin mes carrés de vie, en fait. L'arme que j'ai équipée est à gauche. En dessous de la barre de vie, on a la barre d'endurance. Voilà, quand j'utilise ça, ça diminue la barre d'endurance, logique. En dessous de la barre d'endurance, c'est la barre d'âme, si on peut appeler ça comme ça. Quand elle est full, quand elle est remplie, je peux retourner à un bonfire pour avoir un point de vie de plus. Si je meurs, je le perds totalement. Je perds totalement cette barre d'âme. Et elle peut pas aller plus que... Là, si je continue à farmer alors que la barre d'âme est pleine, et ben elle est pleine, quoi. Les carrés en dessous de ça, ce sont des popos de vie, en fait. C'est soit les popos de vie, soit la transformation en ombre, en forme d'ombre, là, quand j'étais tout rouge, là, qui je sais pas encore trop à quoi ça sert. Coucou SC, bienvenue. Oh là là, par contre, tes emotes, elles sont grave cool. Oh là là, par contre, OSC, t'es là. Comment ça va, OSC? Voilà, après, maintenant, faut que je me rappelle comment ça fonctionne, tout ça. Déjà, faudrait savoir où aller. Mais voilà, je pense que j'ai résumé à peu près. Au niveau de l'histoire, ah oui, il y a un gameplay intéressant. C'est que, donc, nous sommes un vieux chevalier errant. Non, je sais pas si on erre, mais on est un vieux chevalier. On est accompagné par notre fille, qui brille, qui est bizarre un petit peu, mais voilà. Et tant qu'elle est là, elle nous apporte apparemment une espèce de pouvoir, je sais pas trop quoi, mais ça dit que... Comme si on était on est plus puissant, en fait, quand elle est à côté, ouais, a priori.
On peut la prendre par la main comme ça. On peut lui dire de rester là. Et puis voilà. Donc faut l'amener un peu partout et c'est un petit peu un boulet quoi. Quand elle se fait tuer, et ben il faut qu'on la raise. Quand nous on meurt, et ben elle meurt sur place et faut aller la raise. Genre le truc. Sadique. C'est le jeu qui est sadique, c'est pas moi. Je suis pas sadique moi. Bon alors par contre là je sais pas du tout où aller. Il me semble qu'il y avait les marais en haut. Au nord, mais les marais me paraissaient aussi pas mal chaud chaud chaud, donc je sais pas trop si c'est une bonne idée. Mais bon. On va se balader puis on verra bien. Ça dit que, d'accord. Eh, tu viens? Non, viens. Est-ce que c'est par là? Je ne sais plus. Je ne sais point plus. Je pense que c'est par là. Est-ce que c'est les marais après où il faut aller? Parce que les marais me paraissaient quand même vachement costauds en fait. Il n'y avait pas une zone au sud? Sinon ça va, ouais, c'est... Enfin, j'ai l'impression... Ah, mais par contre, on a une lampe, non? Ah, voilà. J'ai un petit sentiment de début de crève. J'espère que je ne me trompe. Non voilà, donc là il y a les marais. On va aller là, de toute façon on sait pas trop où aller d'autres. On va aller dans les marais. Ok. Le son est correct j'imagine là. Ouais. Ok. Bien. Le problème, c'est qu'il va pas falloir tomber. Ah, et puis qu'ils sont super balèzes, c'est ça? Ah, ça va mieux maintenant, en fait. J'ai l'impression qu'on est plus balèzes qu'avant. Ce qui est logique. Quand il faut quand même bien bobo. Hein. Où est-ce qu'on va aller? On va aller à droite. Putain, faut pas tomber. En plus, j'ai pas bind, je crois, comme un con. Je crois que j'ai pas bind. Je suis con. Comment on fait pour... c'est en haut, voilà. Ok. Mais ça va le faire. Pas besoin de bind, ça sert à quoi de bind? Hein? Oh, putain. Bon rétablissement. C'est préventif. Dégage-toi. Comment je les dodge? Oh putain, sérieux? T'es sérieux? Mais... Non! Bon bah voilà. Donc cette conne, elle est restée là et elle s'est fait choper et voilà. Bah maintenant, donc on ne peut plus... On ne peut plus bind. Ouais, non, j'ai compris, KG, j'ai compris. Ah, putain, sérieusement. Donc voilà, là, on peut plus se servir des bonfires, en fait. Et je sais très bien où elle est. On a déjà secouru, je sais pas combien de fois. C'est très agaçant. Très, très agaçant. Comment perdre du temps pour pas grand-chose? Mais bon. Surtout que le farm rapporte plus trop, donc... Donc voilà, c'est, il est dans le village. Le village, il est où? Le village, il est où? Il est par là-bas. Ouais. Je vais recharger la lampe. Je peux recharger la lampe? Ouais, ok, d'accord. Voilà, le village est ici. Okay. C'est un jeu en green light. Non, non, il est sorti depuis longtemps. Peut-être qu'il est sorti en Greenlight à la base, j'en sais rien. Mais mais il est pas si mal que ça, hein. Il est pas si mal que ça, c'est juste que il y a des choix de design qui sont pas de mon goût. Voilà, on va dire ça comme ça. J'aurais pas fait ça. Après, bon...
Ah, peut-être que ça plaît à certains. Hein. Il y a des gens qui l'ont fini, il y a des gens qui font tous les achievements. Donc, why not? Putain, relou. Dégage. Comme ça, on ira bind. Ok, donc on va la récup. On peut tomber là maintenant, c'est ça? Voilà. Putain. Et suis-moi maintenant, s'il te plaît. Ok, on va se soigner. Aussi maintenant, ton bâton pique, avant c'était plus dur. Oui, c'est clair que depuis que j'ai une arme qui fait bobo, ça aide. C'est clair, c'est clair. Maintenant, ça n'empêche que, bon... Enfin, en fait, ce qui... En fait, c'est, voilà. Le jeu devrait être... Le jeu a une mécanique particulière où il faut qu'il y ait une nana qui nous... Enfin, notre fille nous suive, qu'on fasse attention à elle, etc. Et ça devrait être le... Ça devrait être le truc sympa du jeu, en fait. Ça devrait être le truc... Ah, putain. Faut que je vraiment... Ça devrait être le truc cool du jeu. Le truc qui peut-être rajoute un peu de piquant, ok, mais qui est sympa. Et ben là, c'est le truc relou en fait. C'est un petit peu comme dans Dark Souls 2, la mécanique qui fait que plus on meurt et moins on a de vie. C'est qu'ils ont supprimé après parce qu'ils se sont rendus compte que c'était débile. Ça rajoute pas de fun quoi. C'est vraiment nul. Ah. Putain, il est où le bonfire ici? Tu vas dodo? Ça marche, Kaiji. Merci beaucoup d'être passé. Puis ben, voilà, prochaine. Écoute, samedi matin, si jamais t'es levé, faut pas hésiter. Voilà. Alors, on a bientôt Ding, donc je vais faire un tour, aller chercher le bonfire déjà. Un qui soit plus proche. Et puis, si on trouve des monstres à buter, ben, on va les buter, histoire d'avoir un PV de plus. Après 4 heures de jeu, le jeu te dit nanana, tu verras pas la bonne fin. Après 6 heures, tu verras pas la... Ouais, non, mais c'est énervant. Ça, c'est... Ouais, voilà, c'est encore autre chose, mais je parle... De... Ouais. Non, t'as raison, Avia. Et ça, j'ai fait mon... T'étais pas là, mais j'ai râlé au début de... Ah si, t'étais là, je crois. J'ai rêvé juste là. J'ai râlé en début de... En intro. Puis j'ai râlé la semaine dernière sur le poste du Dreddy. Putain, il est où, ce... Fudging bonfire. Allez, viens. On va plus vite. Ça, le prix, quoi. Elle est à droite, là? Elle est là. Non? Putain, mais merde! Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est... Voilà, y a, c'est des choix de design. Moi, j'aime pas. D'autres gens peuvent aimer. Après, c'est pas un mauvais jeu. Le fait qu'il n'y ait pas de carte aussi, je comprends pourquoi. Ça veut essayer de faire comme Dark Souls. Il n'y a pas de carte sur Dark Souls. Bon, bah, mais pas de carte là, voilà, il est là. Mais n'empêche que le truc, c'est que Dark Souls, c'est pas aussi sombre. Là, pour se repérer dans la zone, c'est chaud, quoi. Bon, j'aimerais bien quand même Ding, là, mais... Ah, voilà. Coucou, bonjour. Ça va être long. Ça va être un peu long, quand même, mais bon. C'est pas grave. Tiens, on va regarder s'il n'y a pas une autre zone, du coup. On va se balader. C'est l'instant farm. Question, c'est la même forêt? Ouais, que la dernière fois, ouais. C'est exactement la même forêt. Et les chemins changent pas. C'est la question que tu te posais. Putain, mais... Espèce de con, toi. Ouais, non, c'est pas... ça aurait pu être, effectivement...
comment générer aléatoirement, mais non. Il fait mal, lui. J'avais oublié. C'est quoi ici? On est où là? Ah, mais oui, ici, je me rappelle maintenant. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose ici non plus, de toute façon. J'ai l'impression que je vais moins vite avec ma lance en main qu'avec... Bah sinon, on peut faire Bonfire, buter les deux mobs qui sont devant, Bonfire, buter les... On va faire ça, hein. Je pense que c'est encore le mieux. Puis en plus, il y a le petit, la petite zik à la Diablo que je kiffe. Le petit riff de guitare sympa de Tristram. Merde. Il y en a un là, je crois, non? Eh, hey, salut. Ok. Donc oui, Avia, t'étais peut-être pas là quand j'ai dit ça, mais je vais le mettre dans le post du Dreddy aussi, mais pour information, pour ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, j'arrête mon taf. Oh, il y a le gros ogre, là. Tiens, on essaie de le buter. Il est où? Ah, il est là. Oh, oh putain! Oh, le con! Oh non! Non, juste à la fin. Ah, je suis deg. Vous avez péri, mais va te faire foutre. Putain. Et du coup, alors voilà, on est mort, donc tout ce que j'avais farmé là est perdu en fait. Donc, bon, ça sert plus à rien de farmer du coup. On était juste à la fin. J'aurais dû assurer le coup comme un teubé. Je pensais pas qu'il allait faire aussi mal en fait. Mais bon, voilà. Je suis con, c'est tout. Donc, je disais, j'arrête mon taf fin août. Du coup, les deux premières semaines de septembre, il y aura potentiellement un peu plus de stream. Voilà, des ninja stream. Histoire de se faire plaisir avant de qu'il n'y ait plus de stream. Tu viens? Ah mais faut que je la prenne par la main ici, sinon elle va se... C'est ça? C'est ça le problème en fait. Pas que je la perde de vue en fait. Et en plus il n'y a pas de caméra, on peut pas bouger on peut pas bouger la caméra. Donc c'est assez lourdingue. Ok. Ah vas-y, cache ta joie, Avia. Oh lui est. Ok. Ok, allez. Et ouais, j'aurais peut-être dû prendre mon shield, je sais pas. Que vac? Mais rien. Oh lui. Mais... Oh le lourd. Parce que là, ma fille, là... Ok. Oh putain, mais... Mais t'es lourd.
comment tu veux que je le bute? S'il va dans le... Ah pire, pire, je vais la rebuter en plus. Oh, mais... T'arrêtes! Ok. Mais... Comment je fais pour monter là maintenant? À part... Ok, je suis bloqué! Oh putain! Oh c'est abusé, 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 oh, je peux rien faire. Ah mais les gars, faut faire gaffe dans ce genre de jeu aussi là. Apparemment, je meurs pas en allant dans la flotte, mais c'est de l'acide. Hein. Regarde, j'ai ma vie qui diminue doucement en fait. J'essaie de sortir de là, mais. En plus, je sais même pas où elle est, la fille. Perso, je suis content que tu partes des États-Unis. Osef, si tu stream pas pendant un moment, priorité à votre bien-être. Non, non, mais je disais que j'allais stream pendant. Plus, pendant 2 semaines. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pas que je vais pas stream pendant longtemps. C'est que je vais stream pendant 2 semaines le plus quoi. Et fallait faire... Oh, trop génial! Tu vois? Genre de truc. Ah bah, je suis mort. Comment ça j'ai lâché ma hallebarde? Comment ça, j'ai lâché ma hallebarde? Ah non. Ok. Oh là là! Oh là là, Marc, merci beaucoup pour le host. Bienvenue sur le stream de la décadence. Le stream Fall of Light. Avec de la lumière qui tombe, mais surtout le héros qui tombe. Et qui se bloque dans un truc à la con. Ça va, Marc? Bienvenue. Plus, mais t'auras du taf pour le déménagement. Ah oui, j'aurai du taf, mais je vais faire en sorte de faire des ninjas quand même. Genre le soir, tu vois, la nuit, le matin plutôt pour vous. Je verrai, mais voilà, il y a un potentiel de plus de stream pendant ces 2 semaines-là. Bon. Elle est bien là-bas. Ok. Bah GG. Bah merci, mais voilà. Ok. Faut que tu vois... j'étais sur la série The Boys, faut que tu le vois cette série. Ouais, j'ai prévu de regarder justement, je pense que je vais regarder un épisode tout à l'heure. Après le stream. Merde, putain, mais ils sont combien là? Ah mais viens là toi. Oh le lourdingue. Sérieusement? Comment tu veux que je le bute? Oh là là. Mais ouais, j'ai prévu de la regarder, Marc. Mais là, j'ai fini... là, récemment, j'ai fini donc la nouvelle saison de The 100. Ça y est, c'est bon, je suis à jour. J'ai fini The Passage.
qui n'est pas renouvelé, je suis un peu dégoûté parce que c'était plutôt sympathique. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà. J'ai fini la nouvelle saison de Agents of S.H.I.E.L.D. J'ai commencé la nouvelle saison de Preacher. J'ai fini Another Life, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Marc, toi, tu m'as dit que t'aimais pas. Je sais pourquoi t'aimes pas, je comprends bien. Il y a des passages qui sont où t'es là, mais ça va pas, non? Genre, mais ça colle pas du tout avec le reste de l'ambiance de la série. Mais c'est pas grave, la série en elle-même, elle est plutôt cool, donc. Donc voilà. Ok, c'est bon. Il est mort. Il est mort, Adèle. Pardon, il est mort, Jean-Jacques. Il est bien là, toi. Donc, ouais, j'étais occupé. J'étais occupé à regarder les séries. Il faut qu'on regarde aussi Good Omens. Viens là, viens là. Viens, tu viens. Qu'on trouve un bonfire ici. Ok. Ça a l'air compliqué. En fait, Another Life, t'as jeté un alien moisi et t'as un film de Ridley Scott. Ok. Je le voyais pas comme ça, mais ok. Moi, je vois bien original comme truc. J'aime bien. Elkinet a aussi vachement kiffé d'ailleurs. Alors attendez. Masse plus. C'est une masse normale. Ok. Il va où lui? Ah mais par contre elle me bloque aussi. Ah d'accord. Splooch. Oh, il y a un bonfire là-bas. Il y a un bonfire là-bas. La question c'est est-ce que elle va mourir? Est-ce qu'elle va mourir si je l'emmène dans l'acide? Ou c'est un piège ça ou quoi? Viens là. Ah. Viens. Enfin bon, après, chacun ses goûts. Hein. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Il va où, lui? Oui. Aïe! Mais tu fais mal, monsieur! Va gentil! C'est là? Non, c'est pas là. Enfin, mais attends, il est où, le bonfire, là? Si, viens là, viens là. Parce que les personnages sont aussi cons. Hein? Je trouve pas. En fait, Marc. J'adore Alien, Blade Runner, Gladiator, Black Rain. Ok, c'est pour ça aussi que j'en veux autant à Ridley Scott. Hein? Sky, dont mon nom vient de Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais, tu me l'avais dit, ouais, c'est ça, tu me l'avais dit. D'ailleurs, ça m'énerve d'ailleurs que. Ben. Merde! Ça m'énerve qu'elle s'appelle plus Sky au final. Je veux pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais. Elle s'appelle plus Sky et ça, c'est dommage. J'aimais bien Sky. Son nouveau nom, je l'aime pas. Je trouve ridicule. Fire! Eh, je peux pas bouger là, on m'attaque pas! Putain, mais. Mais t'es con le jeu, quoi! Je suis bloqué à ton putain de bonfire! Alors, va pas me. Il va recommencer, hein! Je suis donc obligé de perdre de la vie, en fait! Putain! Ça me met hors de moi! Agents of S.H.I.E.L.D, j'ai essayé, j'y arrive pas. Ah, c'est dommage parce que c'est une des meilleures séries de SF pour moi du moment, quoi. Et en plus avec des super-héros. Enfin, des super-héros. Oui, avec enfin, en plus du Marvel. Je kiffe Sky, son nom est bien, mais quant à l'habitude, c'est relou. Oui, c'est clair, c'est clair. Il y a de quoi rager, bah oui, non mais c'est sérieux, quoi. Alors, il faut peut-être que je prenne le bonfire par derrière. Mais on peut pas.
peut pas. Viens là. Je peux consacrer là, non? Ah. Ok. C'est débile, mais d'accord. Putain, mais... Oh, Dieu. C'est en saison 2 en septembre, en octobre. Ok, d'accord. Cool, cool. Bah, la Preacher, je sais pas si t'as regardé, Marc. Je pense pas, hein. Ça va pas être arrivé en France. Franchement, ouf. Ouh là 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 là. Ça, ouf. Ça décalote les couettes, comme dirait l'autre. Bon, tiens, on va essayer. On peut aller dedans? Apparemment, on peut aller dedans. Avec elle. Ouais, bien. On va par là. Parce qu'il y a par là, mais on y va. Je crois qu'il y a, il y a un truc pour zoner là-bas. Non. Ok. J'ai ouvert le coffre tout à l'heure. Ah oui, il y avait une masse. À la con. Ah. Ah. On va voir où ça va. Pas encore, non, ok. Quelqu'un a vu le film Game Night, une comédie très chill? Non, ça me dit rien. Moi, les films, je t'avouerais que je peux, j'en regarde pas beaucoup, en fait. Parce que ça prend trop de temps. Et je supporte pas de regarder, de couper un film en deux, en fait. Voilà, où est-ce qu'on est? Ça a l'air bizarre. Oh, il y a ces exas. Ça a l'air aussi très costaud, en fait. Ok. C'est quoi cette zone? À mon avis, s'ils me touchent, ils doivent faire bobo, hein, je pense. J'avais commencé le film de Silence sur Netflix, mais il y a de l'idée, on l'a exploité, ok. Ah, je peux pas, même un film que j'aime pas, il faut que je le regarde jusqu'à la fin. C'est un peu comme les jeux, en fait. C'est rare, les jeux, même s'ils m'agacent, comme celui-là, par exemple, c'est un très bon exemple. C'est rare que j'arrête, parce que eh ben, j'ai envie de savoir la fin quand même. Ok, on a ding, on a ding. Est-ce qu'il y a un bonfire quelque part? Histoire de pas gracher. Il a l'air gros et pas gentil lui. Je crois qu'il y a un bonfire derrière là, non? Ah ah, enflure, dégage! Prends pas ma fille. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ok, bah viens, on va aller se faire celui-là là. Je pense qu'ils vont faire bobo eux. Ok. Ça va. Fragment de luce qui sert à rien, je pense. Un autre fragment de luce. C'est quoi ce bruit là? La série Timeless est bien aussi. Ouais, mais elle est finie, OSC. Elle est pas mal, ouais, j'ai fini. Elle est... C'est dommage d'ailleurs, parce que je pense qu'ils l'ont arrêté. Enfin, au moins il y a une fin, c'est bien. Mais à mon avis. Ça sent le, la série qui devait pas s'arrêter en fait. Pas comme ça en tout cas. Il y a un fucking bonfire là, c'est du gâchis!
tout cas, c'est bien pour farm, mais... Le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, du coup. Ok. Bonfire là-bas, quelque chose, quelque chose. Oh là là. C'est chiant, les séries nulles, c'est clair. Mais après, voilà, tu vois, ils ont annulé The Passage, par exemple. Mais ça se termine en cliffhanger. C'est genre, voilà ce qu'il va y avoir dans la saison 2, quoi. C'est quoi, ça? L'amulette des ombres a été améliorée. Comment? C'est bien, mais je sais pas trop comment. J'aurais bien aimé le savoir. File-moi un bonfire, le jeu, bordel! Oh, oh, oh! Là, là, peut-être? Putain, même pas. Ah, c'est quoi, là? Ah, ok, là. Ils ont annulé The OA? Ah, bah ouais. Mais hey, j'ai toujours pas regardé la suite, moi. Faut que je regarde. Merde, il y a une autre zone. Oh, putain. Ami ou ennemi? Ennemi. Par contre, il y a un bonfire là-bas. Allez. Allez. Yes. Ça fait plaisir. Ok. Par contre, les feux de l'amour, ça continue. Bah ouais. C'est comme ça. Et il y a une dernière, apparemment. Tourbilol. Ok. Ça me va, le tourbilol. Pas de soucis. Ok. Ouais, The 100, ça continue pendant... il restera une saison. Ils ont fait une saison de plus. Pareil pour Agents of S.H.I.E.L.D. apparemment. La prochaine saison sera la dernière. Ça me rend un peu triste, mais bon. Est-ce qu'on n'est pas un parti un peu loin, là, en fait, parce que... Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais regardez-moi ces teubés de mobs, quoi. Eh, hey, regarde, je tourbilol. Ok. Cool, mec. Sérieusement. Bon. On va revenir en arrière, parce que je sens qu'on était... On était quand même censé faire un truc... dans l'autre zone, quoi. Pas juste la traverser, si. Allez voir. Il danse, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Moi, c'est l'inverse, je vais plus au ciné car je tiens plus le film sans pause. Ah. Ouais, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre. Tu savais qu'il y avait potentiellement un truc là. Il y a un escalier. Oh, il y a un vilain mec là. Il est en train de garder un truc pas chouette. Bonjour. Ok. Endu, s'il te plaît. Endu. Merci. Wouhou. Ok. Qu'est-ce que c'est? L'hôtel du courage. Oh. Qu'est-ce que... Hein? Ah oui, alors, ce scénario de barré qui me donne envie de le continuer. Regardez, en fait, on est dans un hôpital. Hein? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on meurt, il y a une courbe de rythme cardiaque. On est dans un putain d'hôpital, en fait. Je pense qu'on est dans le coma ou une connerie comme ça. Ou peut-être notre fille, ou peut-être les deux, j'en sais rien. Mais en fait... Nous avons découvert le mal bien trop tard. Les ténèbres s'étaient insinuées jusqu'aux entrailles de la terre, corrompant tout sur leur passage. Souvenir oublié 1. De toute façon, la meilleure série, c'est Joséphine dans le gardien. Ah bah oui, bah Mimi Mati, forcément. Elle rocks du poney.
Voilà, c'est ce genre de scène en fait qui me donne envie de continuer le jeu. J'aimerais bien comprendre. Elle a dit papa hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Écho du dollar débloqué. Mais oui, d'accord. Mais c'est bien, mais j'ai pas eu un. Les trucs en haut, là, en haut à gauche, je crois que c'est ça que je débloque. Alors à quoi ça sert? Le jeu est pas assez. On n'est pas assez bien pour que le jeu nous dise en fait. Ouh, il fait mal lui. Ok, tiens, hop, paf. Ah bah voilà, il y en avait un autre ici. Je sais pas s'il faut le débloquer ou quoi. Oh! Hein? Ok, on va aller l'activer en fait. Tiens, là je peux bouger, c'est bizarre. Okay. Oh. Peut-être que c'est l'autre donjon. Oh! Oh, comment il m'a fait mal! Oh là là! Cycle 40! Oh. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais sprinter, merci. Le monsieur m'a fait bobo! Le monsieur m'a fait bobo! Oh putain, je suis pas dans. Faisonné. Con de jeu. Allez! Merci. Ouh là là. Mais pourquoi il y a un bonfire juste à côté? Ah non, c'est l'hôtel de la sagesse, j'ai rien dit, pardon. Bah, prosterne-toi. La puissance d'Aether a augmenté. Ah, ça se voit ici. Oui, mais j'aimerais bien savoir. Comment? Comment je peux savoir? Comment je. Légende? Non. Ah, ça doit m'augmenter, mais la capacité de renversement, c'est ça? J'imagine. Qui s'énerve tout seul? Bah, non, je m'énerve sur le jeu. Tout seul sur le jeu. Attends, je joue tout seul, je peux pas m'énerver avec quelqu'un. On va peut-être pas tomber en fait. Ça serait mal. Bon bah c'est cool. On a trouvé ça. Comme quoi, ça vaut le coup d'aller regarder les zones. Peut-être que du coup il faudra retourner chez les marécageux là. Peut-être. Je ne sais pas. Viens. Oh mais lol. Ah oh mais elle fait le tour. Elle va se faire buter cette conne. Mais fais pas le tour. Mais saute. Mais viens. Mais non, mais non, mais non. Mais putain. Oh là là. Mais non. Je vois le futur. Hein. Ce cri, quel boulet. Non, mais c'est clair, mais. Putain, il faut que je fasse. C'est. En plus, c'est loin. Mais où est-ce que tu fais, toi? Il me lance des boules de feu. De... Pour le fun. Regarde, je lance des boules de feu. Ouais.
Trop bien les boules de feu, ouais! Ah là là. Et le pire, c'est que je la laisserai bien parce qu'elle nous apporte pas grand-chose en fait. Je la laisserai bien, mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il nous la faut pour certains paliers, quoi. On l'a vu l'autre jour. Il nous la faut à la fin du quand on a buté le boss de l'eau là. De l'eau là. Il a fallu qu'on la. Pourquoi elle est là-bas? Hein? What? Hein? Excuse-moi, le jeu là? Ok. Elle est par là. D'accord. Ok. Ah, tu veux dire qu'elle s'est fait capturer? Et pas juste tuer, c'est ça? Ah oui, tiens, j'ai gagné une popo de plus en fait. C'est ça, je pense, l'amulette qui a été améliorée. On a chopé une popale. C'est bien ça. Par où c'est là? Ok. Pa 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 pa. Oh, bonjour. T'as l'air gros, toi, monsieur. Non, pas plus que les autres, ok. J'avoue, après le passage difficile et le boss, c'est GG, mais je te casse méchamment le moral. Donc, ouais, c'est clair. Bah, c'est même pas. Il casse pas. Enfin. Casser le moral, c'est une chose, c'est ce que fait Dark Souls. Mais casser les couilles, ça c'est nul. Et moi, il me casse plus les couilles que le moral, en fait. Enfin, indirectement, c'est le moral aussi. Oui, c'est gratuit, c'est totalement gratuit et il n'y a pas de. En fait. La traîner comme un boulet parce qu'il faut qu'elle soit utile au jeu, c'est bien, mais il faudrait qu'elle apporte un truc quand même correct. Mais où est-ce qu'elle est? Oh ta race, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un gros monsieur là. Il y avait un gros monsieur. Et elle est où là? Ok. Ah ouais, elle est là. En plus, elle va passer son temps à pleurer. Ok. Ah non, c'est bon. On a trouvé comment faire. Merci. Putain. Quelque chose là? En plus, on voit rien avec la caméra. C'est super, donc s'il y avait quelque chose, ben on le saura pas. Tiens, c'est toujours fermé. Pourquoi? Oh, t'es là toi aussi. Faut marrer ces grands cons qui tombent. Là, il y a un truc. Alors aussi, la question, c'est... Donc, on a une lampe, ok? C'est bien parce que c'est vachement sombre. Donc, la lampe, c'est pratique, ok? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un niveau d'huile? Quel est l'intérêt de perdre la lampe? À part que ça fait chier. Je sais pas si ça... Si, par exemple, ils faisaient en sorte qu'il y ait plus de monstres qui arrivent. Tiens, c'est ouvert maintenant. Ok. Si, en sorte qu'il y ait plus de monstres qui arrivent quand t'as pas la lampe en main. Ok, d'accord. Mais là, ça sert strictement à rien, à part faire chier. Du coup, j'ai pas envie de l'utiliser parce que je veux pas utiliser d'huile. Parce que je me dis que ça va servir à un moment donné. Mais non, ça sert juste à faire chier. Je vais arrêter de râler, hein. Qu'est-ce que je râle, dis donc, sur ce jeu? Oh là là. Putain. Bon, oui, il est quand même bien mieux qu'Emily Wants to Play, hein, le premier. Hey Arnaud, coucou, bienvenue. Comment vas-tu? Toujours pas de ding. On va passer par où, en fait? Vu qu'a priori, il y a un. C'est par là, je crois. Hein. L'autre Bonfire, il était par là, il me semble. Ça va bien, Arnaud?
Oh là là, mais non, non, non. Dégage, toi. Ça fait même pas d'âme, ce truc-là. Ah, mais oui, mais non, mais on peut pas monter par là, en fait. Ok, autant pour moi. On est obligé de faire tout le tour comme des teubés. Bam, 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 bam. C'est bien comme ça, on va farm. C'est bien là. On a bientôt digne en plus. Ah oh, mais c'est nouveau ça aussi. Ah oui mais alors voilà. Avant on va aller finir son... On va pas faire comme con comme l'autre fois. On va finir le level. Hein? On va aller buter le mec là-bas. T'es crevé, tu te refais tous les identivoles. Ah oui, c'est fatigant, hein. C'est bon, j'ai ding, là? Yes. Ok. Un point de vie de plus. Ça va, ouais, ça va, ça va. J'ai l'impression que j'ai un début de crève, mais je vais utiliser la méthode Kwe et puis tout va bien aller. L'antre de la peur. Ouf. Ah ben, tiens. Ça, est-ce que ça se... Hein? Ce serait-ce que par hasard, un des fragments? Le fragment de la peur, non? Je sais pas. Par où on va? On peut pas se téléporter en fait. Je sais quoi, je... Ah ouais. Ah oui, mais... Ah ouais. Ok. D'accord. Par où? Par là? Non, je peux pas aller là. On peut pas monter là. Oh là là! Oh là là! Merci beaucoup pour le rush, Arnaud. Il m'a fait peur. Non, on peut pas aller là. Tu sens les chutes, ouais. Là, en fait, ça change rien si ton alouard est allumé, c'est juste la fille à tes côtés. Bah, je sais pas si ça... Je sais pas si ça change quelque chose. Et le jeu dit que ça me rend plus fort, en fait. J'ai l'impression que je fais un peu plus de dégâts. Parce que des fois, il y a des mobs que je vais 5 shots, que je vais 4 shots à la place de 5 shots, un truc comme ça. Mais j'en suis pas certain, en fait. C'est difficile à dire, à vrai dire. Ok, bon là, je peux rien faire. Ah! Non, là. Mais du coup, elle, ben tant pis, elle va se faire buter, quoi. C'est ça, hein. Et on va la voir. On va la voir se faire chouraver par des mecs. S'il te plaît. J'ai même pas dit saute. Lol. C'est vrai. Je suis désolé. Il se passe quoi là sur les cristaux? Rien. Ok. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Il y en a un deuxième. Hein. Oh, mago de feu, la version feu de des autres de glace là. Ils sont capables de se tuer avec leur propre sort aussi. C'est bien, je suis fier. Je suis fier de vous. À tous les coups, il va falloir madame...
Ah mais putain! Mais comment je pouvais pas l'amener? Putain, ce jeu. Je pouvais pas l'amener ici. Moi aussi, je hais ce cri. Moi aussi, Avia. Je le hais. Il est déchirant comme cri, hein. C'est hard. Bon, bah, au moins, j'ai plus à m'en soucier, quoi. Mais le truc... j'ai fait tomber. Enfin, il est dans le trou. Elle s'est fait capturer, en plus, cette conne. Du coup, il va falloir aller encore dans le village pour la libérer. Nanana. Mais le truc qui est le plus frustrant, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de l'amener ici. Le téléporteur n'est pas activé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas juste pas aller là? C'est rien. Moi, je sais pas où aller. Le jeu me propose des trucs, j'y vais, quoi. Oh là là. Bref. C'est comme ça. Elle est morte. Ok. Alors le truc c'est que je suis coincé là. Tu te fous de ma gueule. Tu vas me le refaire encore le jeu là? T'as encore perdu ta fille. Mais oui Arnaud, bien sûr, mais oui, mais non, mais... On n'avait pas vu, on n'avait pas entendu, on n'a pas vu, non, non, non. Et j'avais pas trop le choix, hein, comme je le disais. Pas le cri en lui-même est tellement pétasse, moi tu vas mourir. Bah ouais, mais elle veut pas, elle veut pas. Franchement, je sais pas pourquoi je m'évertue à... Là, ça devient plus du défi que du plaisir. On s'en était pas du tout rendu compte. Non, pas du tout. Et là, je peux pas casser ça, non. Comment je fais? Comment je fais? Hein? Le jeu, tu m'expliques? Si on peut tomber ici, pourquoi est-ce qu'on peut pas remonter? Jamais 910. Ok, je vais me chercher. Je suis sorti, ouais. Oh, putain. Calmons-nous. On se calme. Bonjour. Aïe, tu me fais mal. Oh la vache, comment il m'a défoncé. Bon bah c'est reparti pour essayer d'aller délivrer Ether, qui est à mon avis, comme tout à l'heure, super loin. Ça pique grave, hein, t'as vu. Puis il va me suivre longtemps, lui, oh! Il m'a demandé de me suivre. Mais c'est pareil, la libération de Ether, c'est d'un rébarbatif assez répétitif au possible. C'est tout le temps au même endroit. Dans chaque zone, il y a une prison. Et il faut faire les mêmes choses en boucle, quoi. Un exemple typique d'un jeu, et quand on l'essaye, qu'on y joue une heure, il a l'air cool. Et puis en fouillant un peu plus, c'est rare hein, quand même.
C'est très très rare quand même que ça arrive, Léon. Il court pas vite, c'est parce qu'il courait pas. Là, il court. Là, je cours, mais ça me prend de l'endu. Je sais pas si c'est mon humeur. Elle déterre plus là. Non, elle déterre pas grand chose là. Elle déterre plutôt. Je sais pas si c'est mon humeur ce matin, mais la semaine passée c'était intense. Il y avait les trous dans l'arène. Mais du gameplay, Osef, si on fait pas la grande fin, mais là. Non, mais ouais. Je pense que c'est ma faute aussi en fait, Avia. Je dois être un peu trop négatif là avec le jeu en fait. Mes excuses, je vais. Ça doit pas aider en fait. De râler. Mais bon, le truc aussi, c'est qu'on avance, on avance, on avance, et puis. Bah, y a rien de palpitant en fait, quoi. Je pense que c'est ça aussi, ça doit pas aider, hein. Enfin bon. Ah oui, c'est vrai, si on court trop longtemps avec elle, elle en peut plus. Ouais, ok. C'est dur d'être positif. Ouais. Ah, elle a plus d'endurance, la pauvre. C'est bon, là? Ok. Tu viens, là? Ok, c'est bon. Ah là là. Ouais, c'est pas par là, en fait. Par là. La ville? La ville? Quoi, la ville? Là, je veux retourner au passage où je suis mort, en fait. Parce qu'il doit y avoir un truc intéressant là-bas. Mais le problème, c'est comment est-ce que je vais faire... Comment est-ce que je vais faire pour laisser Ether et qu'elle y passe pas, quoi. Oh, putain! Je crois qu'on va pas y aller, et puis c'est tout en fait. Avant, depuis l'eau, on voyait une ville. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas comment faire pour y aller, ouais. Philippe, la ville, mais lol. Tu testes Sea of Solitude sans spoil, t'es déçu. Ouais, mais c'est quoi, c'est Sea of Solitude, c'est un jeu multijoueur de farm de pirates, non, c'est pas ça? Non, je confonds avec Sea of Thieves. C'est quoi Sea of Solitude? Ah putain, et voilà les cons, qu'est-ce qu'ils veulent là? Ouais. Dégage. T'auras pas ma fille, toi. Coucou Alex, bienvenue, comment vas-tu? Elle est pas éternelle en tout cas. Non, c'est vrai. On va où là? Par DMC. Qu'est-ce que c'est ça? C'est nouveau ça comme... On n'est pas rentré là-dedans. Ça va de bonheur, oui, il est plutôt tôt, ouais. Ah si, c'est l'antre de la peur, mais on arrive par un autre endroit en fait. Examiner. Ça va peut-être activer le... Oh, on a... On m'a activé un truc en fait. D'accord. Donc ça sert à rien de retourner dans l'autre si on n'a pas activé tout le bordel. Hein? C'est ça que vous comprenez aussi? Bien. Donc il va falloir tous les trouver. Et bah super. On n'est pas sorti de la merde. Ok. Sachant que la zone... Et je comprends vraiment pas pourquoi ils refusent, ils veulent pas qu'on tourne la caméra en fait. Je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de tourner la caméra autour du personnage. J'imagine que c'est des problèmes de performance. Ah là, nouveau ça aussi. Il y a un Gus. Et toi là, m'embête pas. Et meurs. Gentiment. Merci. Merci Arnaud, effectivement. C'est une mini-progression.
J'ai plus d'enduit, c'est chaud. Ok. Un jeu à la rime. C'est un jeu à la rime si c'est l'étude, ok. Cool. C'est encore la journée des chats chez Elki. C'est vrai, c'est toujours la journée des miaou. C'est marrant, quand tu le fais tomber, si tu le retapes, il se relève automatiquement. Donc en fait, il vaut mieux attendre et gêner son enduit avant de taper, en fait. Ok, il n'y a rien ici. On dirait rien. Il n'y a rien là. On peut descendre. Eh bien, descendons. Au moins, on peut l'emmener avec nous cette fois. Eh, salut. Eh, à plus. Tiens, pour rendre ce jeu parfait, faudrait que les ennemis soient aussi doublés par les voix de Trover. Ah oui, c'est concept. Ah oui, ce serait bien. Ça rajouterait du... Ah là, pour le coup, je râlerais pas. C'est clair. Ah, je pense qu'elle fait, elle m'aide à faire plus mal en fait, vraiment. Hein. Ok, on va aller voir ce qu'il y a à droite avant de monter l'échelle. Oh là là, mais en fait, il me... ça paraît pas comme ça, mais il me touchote en fait. Il me touchote ennemi en fait. Les vilains là. Ok, y a rien ici. On va monter à l'échelle. Oh, on allait trop loin. Est-ce qu'elle grimpe elle? Évidemment que non, elle grimpe pas. Y a rien. Y a rien du tout. Si on peut regrimper là. Ouais. Et je pense que c'est pour aller plus rapidement en fait. À partir d'en haut, j'imagine. Jeanne d'Arc, elle aussi, elle voulait descendre, c'est vrai. Marc, j'ai déjà fait. J'ai déjà raconté. Oh putain, c'est là où on était resté bloqué tout à l'heure. Ah ouais. C'est là où on est resté bloqué tout à l'heure. Ok, j'ai ding. C'est bien, faut pas mourir. C'est tout ce qu'il faut. Facile. Easy, pas mourir. Y a pas un truc genre... et ramène-toi, ou monte-lui en... Non, j'ai pas l'impression... Ah, peut-être. Monter en lui tenant la main, peut-être. Peut-être, effectivement. Bon, en tout cas, je suis de l'autre côté, là. Avec elle. Ah oui, donc, je disais, Marc, j'ai déjà raconté cette blague-là. Mon grand-père, il me faisait, quand j'étais gamin, il me faisait une blague. Il me dit, je parie que je peux te faire descendre sous ta chaise. Et je fais, non, je veux pas descendre sous ma chaise, donc tu me feras pas descendre. Et il prenait son cigare et il mettait de la cendre sous ma chaise. Et voilà, je t'ai fait descendre sous ta chaise. Et j'étais là, ouais, trop bien. In stay down. Ça vient de quoi ça? Elle est mimi comme blague hein. J'aime bien aussi. Ok. Ton grand-père s'appelait Jeanne? Non. Oh putain. Mais il aurait pu s'appeler Marc. Il aurait pu être un chat. Vous faites les mêmes blagues.
pour ça que je dis ça. Ok, donc il faut trouver les deux autres machins. Est-ce qu'on peut passer là? Au risque de me bloquer. Ouais, je veux pas prendre le risque de me bloquer en fait. On se casse. Là, y'a rien. Non. Faut trouver des stèles à la con encore, comme ça, c'est ça? Comme on avait vu là. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bon, du coup, ça sert à rien d'aller là. Je vois rien. Je vois rien à activer, quoi. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on est venu là pour rien. Pas tomber dans le bug. Ah, par là. Ah. Il y a un levier là-haut. Il y a un levier. Oh, un magot. Non. Non. Ça fait mal. Ah. Ok. Viens là. Casse les tonneaux. Oh putain. Avec Ether et Nyx, fais des acrobaties, c'est trop bien. Ah. Ok. Eh ben, on y retourne donc. Ça marche. Pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber. C'est là. Ok. Alors, on va essayer ta technique, Avia. Échelle quelque part. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Je pense que c'était l'échelle. Alors. Non, elle vient pas. Hein. Elle vient pas. Hein. Mais par contre, le jeu bug. Elle est dessous. elle est dessous, allez. C'est comme si je la. Ok. Une dague? Tout ça pour une dague? Plus plus quand même. Ok. Mais tout ça pour une putain d'arme? Ok. Pas de soucis. Si elle meurt, je pète un câble. Allez, descends. Descends. Elle est où? Elle est. Qu'est-ce qui se passe? Descends! Prends ton temps. Ah putain, elle est. Mais qu'est-ce qu'il fait? Elle est là, elle est à gauche, elle est à gauche. Là, c'est le drame à cri dans la nuit. M6, enquête exclusive. Lol. Ok. GG. Mais encore. Non, sérieusement, là. Ok, c'est bien. Mais il faut qu'on débloque les deux autres boutons, là. Je sais pas quoi. Eh ben, écoutez, on va aller level up. Hein. On a tout fait ici, là. Ce côté-là, là. Ouais, ouais. On va aller passer notre niveau. Histoire de pas perdre ce que nous avons durement gagné, comme des cons. Sors, 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 Alt F4 même. Lol, t'es méchant. Oh. Un pont. Avec un moulin. Je m'arrête un peu, sinon elle va être essoufflée. Je veux un bonfire de l'autre côté. Oh, s'il te plaît, le jeu. Il y a une nouvelle entrée, là, on connaît pas. Bonfire derrière, là. Ah, non, tombe pas. Ah, putain, il y a un escalier, ça va. Ah, bonfire. Yes. Yes. Ouf. Et puis, elle est tombée de fatigue juste avant. Trop bien. Mais ça va pas. Merde, j'en ai foutu partout, du coup.
Putain. Balance un mob tout de suite là, comme ça. Demande à Groot le bouton. Ouais. Ok. Allez. Donc là, là, ça on connaît pas, on est d'accord. Elle est grande cette zone en fait. Elles sont grandes ces zones en fait. Enfin, on connaît pas. On va bien voir. Donc on est bien dans l'entrée de la porte encore, évidemment. Mais est-on à un endroit différent? Ne dites pas Ferrand, s'il vous plaît. On est bien à un endroit différent. Pas Ferrand, s'il vous plaît. Merde! Je me suis fait avoir. On est bien dans un endroit différent. C'est clair, mais... il n'y a rien. J'ai envie de dire funk. J'ai vraiment le nez pris, en fait. Je pense que c'est des allergies et pas forcément que j'ai la crève. Par là? Non. Non mais elle sert à quoi cette zone? Qu'est-ce qu'il y a là? Fuck? J'ai pas dit dit fuck. Dit fuck. Dans l'Antarctique, c'est le roi des phoques. Si je tombe, je meurs, hein. Ouais. Ok. Au centre, là, un truc, non? Bon. Ben... poète. Sérieux, c'est super frustrant. Et je tombe dessus par hasard, hein. Bon. Ok. Ben écoutez, on va aller voir par là. Mais oui, fais le tour. Fais le tour, pas de soucis. Bonjour. Aïe. Oh, tu es beaucoup méchant, toi. Bien méchant, toi. Le problème c'est que si on en trouve une avec une stèle pour un bouton à activer, hein, et ben il nous en manquera encore une autre. Youpi. Ok, est-ce que c'est nouveau? Ça a l'air. Oh oh. Des cristallos verts. On va nettoyer autour avant de monter à l'échelle. Des fois qu'il y a des trucs à nettoyer. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à nettoyer. Ah, on peut potentiellement descendre ici. Ok. Mais bon. Ah ah ! Yes ! Yes ! Monte ! Mais monte ! Et toi en bas, tu te fais paniquer, hein. Putain. Ah, t'es raccrevé. Loupiote 2. Check. Elle est où? Oh putain, elle est partie à gauche. Pourquoi t'es parti à gauche? Pour... vas-y, casse-toi la gueule. Ah, c'est bon. Qui t'a pété un fusil? Bah ouais, mais t'as vu le jeu. Ok, allez, je le teste. Allez, je le tente. Allez, descends, descends. Tu restes là, tu bouges pas. Y'a quoi ici? C'est du vide? C'est du vide. Genre, ça sert à rien. Ah, il monte de façon très, très sympathique avec sa lampe, lui. Ok. Merci. Allez, viens. Bien. Plus qu'une.
plus qu'une. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de voir le speedrun de ce jeu. C'est de le finir pour aller voir le speedrun. Pour voir comment les mecs doivent glitcher à mort pour pouvoir le faire. Je suis sûr qu'il y a énormément de glitchs qui permettent de le faire... faire correctement. De le faire rapidement, je devrais dire. Pas tomber dans le trouillou, merci. Bonfire, non, il n'y a pas besoin. Oh! Oh, excuse-moi, madame. Il n'y a pas besoin, on n'a pas digne et... on est déjà associé à ce bonfire là en fait. Ça serait pour regagner 3 points de vie. Je dis, pas besoin. Ah! Bon. On aurait pu. On va, à la fin, on va arriver dans la ville, je pense. Aïe! Oh non! Non, non, non! Non plus! Crac! J'aime pas le bruit qu'ils font. C'est pas une safe pour la pierre allumée? Non, non, la pierre elle est allumée, ça a sauvegardé. La... En fait, ça sauvegarde juste la position et ça te rend ta vie, quoi. Et ça réinitialise les monstres. Mais ça va pas te... Par exemple, si on en trouve un, là, peut-être, mais... Ça va pas te... Ça va pas sauvegarder le jeu tel qu'il est, quoi. Tu vas, Dodo? Ça marche, OSC. Merci beaucoup d'être passé. Bisous à toi. Et puis, bah, peut-être à demain matin pour le petit-déj. Si jamais t'es dans le coin, on sera sur des découvertes Switch. Vers 7h samedi matin. Ah! J'ai l'impression que j'étais de l'autre côté. Ah! Vous asseoir près du feu, quoi? Je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais ok. Je sais pas à quoi ça sert non plus. D'accord. Bah, on s'est assis près du feu. C'est pas mal. Je suis content. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non. Ah bah oui, mais oui, faut aller là. Ouais, faut aller là, ouais. Viens là, s'il te plaît. Voilà, prosterne. Planque-toi ici. Putain! Comment c'est lourdin! Le mec il m'attend à l'arrivée quoi! Oh mais! Ça va pas! Je le tape. Je le tape dans le vent! Il se passe rien! Je tape et il se passe rien! C'est que ce bordel! Putain de. Un feu à la Dark Souls, je crois que c'est pour le trip Dark Souls, je sais pas. C'est possible, c'est tout à fait possible. Le sort en bleu, ça casse pas les portes. Le sort en bleu. Le sort en bleu. Le sort en bleu. Je sais pas de quoi tu parles. Oh, il y a du monde. Oh, ok. Calme. Les deux grandes planches verticales, par exemple. Je comprends pas, Avia. Ah, vous voyez, mon problème, c'est que le mec, il est en face, là, et il nous allume dès qu'on arrive, quoi. Bon, je vais monter, et puis je vais dodge direct.
que c'est un petit peu abusé. Et puis l'autre, elle va se faire buter. Ah, ça c'est bien. Viens maintenant. Ok. Traverse les plus. Les... Oui, si tu veux traverser les rochers, il n'y a pas de soucis, ça m'embête pas. Hein. Ok. Fragment de luce qui sert à rien. Ouais! Un fragment de luce pour les collectionneurs. Je sais pas si je suis déjà venu là. Au final. Oh, comment il m'enchaîne lui, ça te fait peur. Oh là là. Non. Non, 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 non. Oh putain, j'ai plus de popo. Et ma vie diminue. Je suis empoisonné. Oh, ok. Ok. Ok, et alors peu importe ce qu'il va falloir le trouver maintenant là. Ça a pas l'air d'être par ici. Ok. Pas clair, là où il y a s'asseoir au feu, tu peux pas taper le mur de planche à droite, faire un point, un passage. Non, je crois pas. Je ne crois point. Bon, ça va être tant d'axes quand même, hein. Ça va être Tandax, Tandax. Je sais pas trop si c'est par là qu'il faut aller. Ok. Quatre PV quoi. Je suis sûr que je vais ding juste avant de crever en plus. Il y a un fragment de luce en l'air. Elle vient pas là, tiens, elle vient pas. Ok, bah c'est parce qu'il y a rien en fait. Ok. Pas tomber, pas tomber. Oh. Viens. Non. Non, non, non. Non, non. Shoot. Ah putain, puis c'est loin. Hein. Ah puis c'est loin. Voilà. Ça pique. Quelle heure il est, ok. Et le sprint n'est pas pratique s'il faut appuyer sur le joystick en fait. Je déteste les trucs où il faut appuyer sur le joystick. Surtout en déplacement en fait. Ah, ça m'a pas touché. Ok. Ok. On peut passer par là. Ah, attendez, je crois qu'on a fait le, on a fait le tour en fait. Ok, je sais pas pourquoi il me tapait pas et tout. Ah non.
Ok. Merde, pas ça que je voulais faire. Ça que je voulais faire. Tester un truc. Ok, donc la lance est mieux quand même. La lance est quand même mieux. Je voulais tester la dague. Bonjour monsieur le magicien. Dégage, je t'aime pas. Et que pas de chance, on va faire le tour dans l'autre sens en fait. C'est ce que j'espère. Ah! Bien ça! Oh! Et je pense que j'ai raison. À mon avis, la pépette elle est morte là. Voilà. On va activer le troisième bitonio. Qui va faire du bien. Ok. Eh ben, c'est reparti. Merci. On va retourner... Oh putain, je vais tomber. Par contre, je vois... Ah, il y a une échelle, autant pour moi. Comment il est rigide. Allez, viens. Oh, salut. Je les avais oubliés. Ah. Ok, du coup on va voir ce qu'il y a en bas quand même. Quitte à ce qu'on soit pas arrivé ici pour rien. Super. Ok, bah on a vu. Oh, oh. Prendez pas ma fille. Touche pas à ma fille. Ok. Allez. On retourne au phone buyer. Allez, viens. Viens. On va peut-être même ding entre temps. Non, ça serait bien. Bon, alors, par contre, après, il faut... Là, non, non. Après par contre il faut aller tout à droite, je me rappelle bien. Oh putain, enfoiré, crève. Parce que du coup il faut aller est-ce qu'on peut aller partir de celui-là? Non. Si. On peut aller à partir d'un autre, en fait. Mais est-ce que c'est celui-là ou pas? Je pense pas. Non. Mais il me semble qu'il y avait un qui était pas si loin que ça, où on pourrait normalement faire le tour et arriver à la porte en fait. Peut-être celui-là là-bas. Il y a une porte là ?
Tu vois, là, il me faut 4 coups pour le tuer alors que normalement il faut 3. Donc je pense qu'elle a quand même une utilité en fait. Ouais, ça doit être là. Il y a intérêt. Après, on a bientôt Ding, donc bon. On va voir si c'est ça déjà. Non. Non, malheureusement, c'est pas ça. Tant pis. On va continuer à droite. Quand tout se passe bien, il est bien ce jeu. Non, n'empêche que la... Je trouve que la patte graphique est chouette. Je trouve qu'il a du cachet un petit peu. Deux secondes. Deux secondes, faut que je réponde à Elkinette. T'as ajouté une heure de plus sur la sécheuse. Non, j'ai oublié. Oups. Là, il y a des gus sur le pont, si je me rappelle bien, non? Ah non, c'est pas ce pont-là. Allez, plus qu'un. Ah non, il m'en a fallu 4 là. Ouais, je sais pas. Ding! Allez, allez, allez! On va chercher le bonfire. Et puis après, on se la joue tête brûlée. Pipi, pipi, pipi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, on va avoir 16 PV. Chouette. Il est loin le bonfire là quand même. Je pense qu'il y en a un autre plus proche en fait à droite. Non, j'en ai toujours 15. Je me plante pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Donc on a dit pas là.
Oh lui. On avait dit pas là? Ou on a dit là en fait? Ah. C'est bon. Ok. Rien en fait. Je sais pas si c'est là ou si c'est pas là. Putain, j'ai oublié. Allez, on y va, on va voir. Ah là là. Je crois que c'est potentiellement là. Ok. Je pense que... Ah. Ok. Ok. Ah oui, c'est là, c'est par là, je pense. Allez. On descend. Gratoun, monsieur, au revoir. Ah, en fait, c'est ça. Il a 18 000 frames d'invulnérabilité, en fait, le mob. Quand il fait un dodge, je le tape après, ça va pas le toucher, en fait. Comme, un peu comme moi, j'ai l'impression. Là, voilà. Par exemple, là. C'est chaud, hein. Parce qu'on dirait pas. On dirait pas qu'il fait ça, il est debout, il se relève. Normalement, on devrait pouvoir le taper, mais non. Il faut que je prenne ça en compte, en fait. Par là. Putain, pas tomber dans les... C'est kiff-kiff, ouais. Donc, faut vraiment que je l'enchaîne vite. Ok, et là, normalement... Normalement, la porte est là-bas. Mais il va y avoir un magot et un garde, si je ne me plante pas. On voit gros le garde déjà. Sans le magot, ça serait bien. Trop tard. J'ai plus qu'une popo. Hein. Ça serait bien qu'il y ait un bonfire à l'intérieur, quand même. J'y crois pas, hein, Léon. J'y crois pas du tout. Ah, pas du tout. La cime de l'abandon. Bof. Ah! Si! Magnifique! Trop bien. Ok. Je crois qu'il y a un téléporte là à droite. Je dirais. Sauf qu'on peut pas se téléporter, ok. Il y a un feu. Merci. Vous asseoir près du feu. Asseyons-nous près du feu et racontons-nous des histoires. Tiens, voilà de la guimauve. Ok, on se lève, on y va. Tirez. Eh, viens. Quelqu'un là? What? Géo! Coucou Kilou, coucou le chat. Trop tôt mon réveil matin, oui, j'avoue. Merci beaucoup, Géo, pour les 50 bits et bienvenue à toi.
Comment tu vas? À part qu'il est trop tôt. Plaisir de te voir ici de bon matin quand même. Toi tu meurs. Entre détails, y a pas masse d'armes après tant de jeux. Non, c'est clair, hein. C'est clair, les armes sont un peu lèges, je suis d'accord. Bon, visiblement, on va pas tomber là. On a bientôt Ding aussi. Je vais pas prendre l'échelle tout de suite. Je crois que mon contrôleur commence à être à la ramasse. Ok. Il est 5h. Déjà, ah oui, il est 5h, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? Parler d'armes. Une épée. On va l'essayer. Épée 3. Allez. On va essayer. Si ça se trouve, elle est bien. Hein. Elle brûle. Elle fait de la lumière. Elle est kikou. Bon, bah, ça, c'est grâce à... C'est grâce à la pépette, de toute façon. Géo n'a pas sommeil. Okay. Putain, je veux y aller sans tomber. On peut pas lire, là. Les ténèbres l'avaient vaincue. Et parmi les ténèbres, elle repose pour l'éternité, vidée de toute vie, de tout espoir. Luz est l'incarnation de ce que nous avons perdu. Ok. Viens, s'il te plaît. Ça va, je pars bosser dans 3 minutes 30 juste pour dire bonjour. Eh bah écoute, merci beaucoup de venir nous dire bonjour. Et puis bah écoute, bon courage pour ton boulot. Dernier jour de la semaine, j'imagine. Si j'ai sommeil, mais là on m'a obligé. Ah ouais, ouais. Dernier jour de la semaine, j'espère que ça va bien se passer. Ça devrait. Bon là, il y a un fragment de Luz. Et autre chose là-bas. Mais quoi? En espérant que la pépette... Oh, ça fait mal quand même. Elle est loin, la pépette. Elle est loin, j'aime pas ça. Elle va mourir. Elle va... Putain de ta race! Je vais tomber un truc. Fuck, sérieusement, quoi? Je bosse tout le week-end, du coup, pour moi, c'est un début de semaine, on va dire. Ah, d'accord, ok. Je compatis. Putain! Qu'est-ce que c'est lourdingue! Tu peux pas savoir quand tu peux la lâcher ou pas, quoi. C'est vraiment du... C'est au pif, quoi. Ah, elle est pas mal, cette épée, en fait. J'aime bien. Ben voilà, on va pouvoir passer avec elle du coup en fait. Le truc c'est que tu peux pas la laisser safe. C'est pas possible. Oh, un bouclier. Ah ben... Oui. Bien ça. Bah tu vois, Avia, il suffisait que tu dises qu'il n'y ait pas assez d'armes et là, paf. Pas mal. Ah, avec un téléporteur, magnifique. Ça sent le boss là. Hein. Je voulais pas dire, mais ça sent le boss. On se le fait ou... Ouais, on est full life, on est full... quoi qu'on ait... Ah bah, je suis parti dessus. Ouf. Le gardien de l'éclat de l'électricité. C'est ça. C'est le boss. Mais on va être obligé de... Oh putain de bordel de merde. On va être obligé de la récupérer de toute façon. Donc...
Bon, en tout cas, j'imagine qu'on doit pouvoir se téléporter du coup maintenant. Donc ça veut dire progression. On va faire ça, je pense. On va revenir. On va aller la récupérer. Et vu l'heure, on va aller récupérer... On va aller récupérer Aether et puis on va potentiellement on va s'arrêter là parce que si ça se trouve il y a un gros donjon en fait là où il y a le boss. Si c'est comme l'autre, il y a un gros donjon. Mais en tout cas maintenant on sait qu'on pourra passer par là en fait. Mais en fait je suis dégoûté quoi. Ok, je tente, ça manque de BFG aussi. Faut tenter, effectivement. Ah mais attendez, je devrais pouvoir choper le fragment, là. Je vais me tuer, non? J'ai pas envie de me tuer en étant full, full âme. Full XP, non. Je fais des hauts et des bas, mais... C'est pour la bonne cause. Je ne vais pas te tenter. Oh... Oh, tu te fous de ma gueule. Y'a pas de retour, en fait. Oh là là, arrête ce jeu. Ce jeu, ce jeu. Téléporteur qui marche à une seule fois, quoi. Une seule fois. Putain, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Ça me... Ah! Ouf! Ça m'énerve! Ça m'énerve. Par où on descend, bordel? Ah mais... L'ascenseur est en bas. Non, le levier, il servait à avancer les rails. Il y a un levier pour appeler l'ascenseur, là ? Non, l'ascenseur, il est en bas. Ça va, elle est juste là. Elle est juste là. Ok. Donc là, on peut la prendre par la mimine. Et on a perdu, on a juste perdu un level, c'est pas grave. Et on peut aller là. Alors attention, faut passer tous ensemble. Ok. Ok. Du coup, je réactive le truc, ok. Ok, ça va. Du coup, on a un peu de temps. Je râle, je râle. Ok. Eh ben. Silence. Concentration.
Ouh, je le sens pas. Ouh, je le sens pas. Est-ce qu'on y va au bouclier ou est-ce qu'on y va à la lance? Est-ce qu'on y va au bouclier ou est-ce qu'on y va à la lance? Il a quoi? Il a une lance? Il a une lance électrique. Gardien de l'électricité. Tester à la lance. Voilà. Tester le bouclier. Who dares to come before the Guardian? This place is a sacred temple, and as such, it will never be desecrated. Okay. Une grosse lance. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, je suis stun! Houston! Wouhou! Oh! J'aurais pas dû faire ça! Ok. Plus de popo! C'est tellement pas top comme fight. C'est hard. Ok. Alors le truc aussi, c'est que là, en toute logique. Merci. Amago Ninja. En toute logique, on amène Ether là, on est d'accord. Tout comme on a fait pour le fragment de l'eau. Et là, Ether, elle tombe dans les pommes. Et donc, on la trimballe et on l'amène à l'arrivée. Ok? Mais c'est où? C'est où? Vous l'avez vu, vous, le passage avec la lumière? Parce que moi, je l'ai pas vu. Hein. Ah, je l'ai pas vu, moi. Donc, c'est bien, mais Donc bon. Effectivement. J'ai une petite... ça se trouve, c'est dans une des cavernes, mais... Alors, on va savoir où, quoi. Il y a des cavernes qui servaient à rien, en fait. Mais super. Bah, on va y aller par essai erreur, hein. Par Dine Retry. De toute façon, on s'en fout, on a déjà perdu la bonne fin. Ok. Non. Putain, prends-la, merci. Alors, la question, ça va être de savoir où c'est. Surtout avec les mobs, c'est d'un pratique, je te jure. Déposez l'éther sur le sol, écartez-vous d'elle et appuyez pour trouver le... Ah ! Oh ! Ok, d'accord ! Ah putain ! Ok. En fait, je savais pas. Mais on peut tracer, on peut trouver avec le... Ah, ok, d'accord. Eh bah putain, c'est à cause de la panique du premier, du début, mais regardez. Ça nous dit où c'est, en fait.
Ça nous dit où c'est, cette saloperie. Ça me gratte. Donc voilà, mais le truc c'est que dans la panique, la première fois, vas-y quoi. Le premier je l'ai fait au feeling, bah ouais, puisque je l'avais vu le truc, mais et j'avais juste pas vu le message, parce que probablement que j'étais en panique. Je pense que personne ne l'a vu en fait sur le coup de toute façon, donc... Ça reste un peu trop abusé pour à mon goût. Voilà, c'est là. On leur a fait du deuxième coup, pareil. À chaque fois. Tu te souviens pas du message? Eh ben ouais. Donc on l'a chopé le. Ouais, on a le fragment de. On a les deux. Ouais, plus qu'un. Ok, bon, on va s'arrêter ici, hein. Franchement, si la prochaine fois on fait pareil, on le finit. Moi, ça me va, hein. Finir en 3 sessions. C'est ce qu'on voulait à la base aussi, un jeu assez rapide. Il y avait un chrono sur le premier. Bah, là aussi, il y avait un chrono, mais... Ah tiens, je vais aller dans l'autre zone en attendant. Comme ça, on saura où recommencer la prochaine fois. Il y avait un chrono la dernière fois aussi, mais enfin cette fois-ci aussi, mais c'est juste que ça m'a pris beaucoup moins de temps. Et t'entendais pas les battements de cœur? Toutou, toutou, toutou. Ok. Bon bah on continue jusque tout à droite. Le chrono, c'est le cœur. C'est ça, c'est les battements de cœur, c'est le rythme cardiaque qui est en haut à droite en fait. GG, bah merci, ouais, carrément. C'est comme quoi la persévérance paye. Mais ah putain. Eh bien. On tombe là. Oh non, mais 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 non, putain, oh là là. Eh bien. Ok. Salut. Ok. Donc là, si je me rappelle bien, sa zone, et après, tout au nord, à l'arrivée, il y a un bonfire. Ah oui, hop, il y a lui aussi, là. Le bonfire est là. Il m'intrigue, ce mec-là, là. Je vais essayer d'aller le buter. Ok, parfait. Quoi ça? Oh salut! Ah oui! C'est ici qu'il y a les messieurs Tourbillol. C'est une hallebarde plus, mais Oh! Yes! Alba plus. Je plus soi. Là, t'as un chemin pour la quête principale? Non. Quand on a Aether avec nous, la touche qui permet de voir le chemin, en fait, nous la fait rester. Tu lui donnes des ordres. Tu lui dis de rester ou de... Elle a un plus de plus. Ouais, elle a un plus de plus, mais le truc, c'est qu'elle ressemble à une épée à deux mains, en fait. Comparé à l'icône de l'albarde.
Juste au niveau de l'icône en fait. Bon, je voulais juste tester le... Le mob là. Le sable est bien fait, je trouve. Ok. C'est juste ça en fait. Okay. Les mobs sont... C'est juste au niveau de la skin que ça change, que ça se diversifie un peu. Il y a de nombreuses années, les ombres ont remporté l'ultime bataille entre la lumière et les ténèbres. C'est alors que le temps s'est figé à 7h10, juste avant une aube qui jamais ne s'est levée. Oh ! Ah mais attendez ! C'est peut-être le moment où il y a eu un accident en fait. Le moment où... je sais pas si c'est lui ou sa fille qui est tombée dans le coma. Mais ça fait vraiment penser à ça quoi. Bah en fait Avia, il y a énorme, enfin il y a énorme, il y a des références à de la vie moderne en fait. Tout à l'heure on était dans un hôpital avec des bancs, voilà. Donc si ça se trouve lui il attend que sa fille se réveille. C'était ridicule ça. N'oubliez pas les dragons symbolisent le temps qui passe. Ok, on va pas passer. A mon avis, ça c'est pour la phase finale. Ou alors c'est peut-être pour avoir le dernier fragment en fait, je ne sais pas. J'avais pas dit que j'irais dodo là. Ouais, dodo. Crac. Y'en a un autre? Pas l'autre. Ouais, il faut que j'y aille parce que sinon je... Oh, y a un mec avec une grosse hache, là. Faut que j'y aille parce que... sinon, la prochaine fois, je saurais pas ce qu'on a fait, ce qu'on a pas fait, en fait. Donc, next bonfire, tu crois? Non. On va s'arrêter là. C'est plus logique. C'est quoi, ça? Elle est contente. D'accord. Non, puis il est... Ah ouais, non, en fait, le temps passe vite, en fait. Donc non, on va s'arrêter là. Hop. On doit partir à Vesoul. Non, demain je bosse. Demain, je bosse, c'est mon collègue direct et pas... Et pas là, donc faut que je fasse son taf en plus, donc... Donc voilà. Ah là, ce jeu... Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino avec l'épisode numéro 3 de Fall of Light. Merci beaucoup et à la prochaine.